Vous le savez, depuis le début de ce procès, le prévenu a toujours fait preuve de dilatoire. Vous vous rappelez que le dossier était d'abord examiné par le juge Ousmane Simatan. Et à l'évocation du dossier, M. Makanira avait soulevé des exceptions. Ce jour-là, le prévenu a commencé à s'expliquer sur le fond du dossier. Il y a eu un renvoi pour qu'il puisse communiquer au tribunal et au parti la pièce sur laquelle il fonde ses déclarations, c'est-à-dire la pièce concernant les 330 milliards qu'aurait reçu l'université Kofi Annan au compte de l'État. Dans cet intervalle, il a introduit une récusation contre le juge Simatan. Entre-temps, le juge a été muté par décret. Alors, il y a une nouvelle composition. Devant la nouvelle composition, il soulève encore les mêmes exceptions, alors qu'une décision était déjà rendue par rapport à ces exceptions. Donc, au jour d'aujourd'hui, la présidente s'est prononcée sur l'exception que Bakanera avait soulevée. Elle a constaté qu'une décision était déjà rendue et que cette décision s'imposait comme telle. Elle a donc ordonné la continuation des débats au fond. Et puisque le prévenu pense que c'est une manière d'échapper à la justice, en passant par des manœuvres dilatoires, il vient encore à la barre pour dire qu'il n'est pas prêt à être jugé aujourd'hui. Et comme c'est son droit, alors le tribunal a été obligé de renvoyer à une audience de 2 semaines pour que nous puissions cette fois-ci aller au fond. Je suis sûr que dans cet intervalle encore, il va user d'autres manœuvres dilatoires pour ne pas qu'il soit jugé, parce que c'est son objectif, c'est l'objectif recherché, il ne veut pas être jugé. Mais qu'il sache que l'utilisation c'est une utilisation de vaut. Donc à la prochaine audience, il ne viendra pas dire qu'il n'est pas prêt, il sera jugé sur le fond et une décision sera rendue contre lui.